Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine, cette fois-ci, du 10 mai au 16 mai. Qu'est-ce qui se met en place? Qu'est-ce qui arrive à vous pour cette nouvelle semaine qui arrive? C'est une énergie générale, donc ça ne parlera pas forcément à tous les Sagittaires. Donc n'hésitez pas, si ce signe-là ne vous parle pas, allez voir un petit peu votre signe lunaire ou votre ascendant. Peut-être que ça correspondra davantage à votre situation. Et puis si jamais il n'y a aucun message qui vous parle, c'est qu'il n'y en avait peut-être pas pour cette semaine. Voilà. Merci également à tous mes abonnés, merci beaucoup, merci pour vos commentaires et puis bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, hein, je vous y invite, et puis surtout à cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les publications au fur et à mesure qu'elles sont faites. Voilà, et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse en commentaire de la vidéo les deux liens pour pouvoir me joindre ainsi que la barre ici qui s'affiche avec mon site professionnel. Voilà, on y va pour vous tout de suite les Sagittaires. Quelles sont les énergies pour la semaine du 10 mai au 16 mai? Alors, les Sagittaires, de très très bonnes énergies cette semaine aussi. Je ressens plus professionnellement ici une évolution, hein. En tout cas, il y a des solutions. Il y a quelque chose, une porte qui va s'ouvrir au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Il peut s'agir d'une période de chance qui va s'ouvrir à vous, parce que j'ai quand même l'éléphant en dos de deck ici, hein, après une période d'instabilité. On me parle en tout cas d'une chance ici, et on me parle d'amour. Alors ici, l'amour, oui, ça peut être une solution qui est trouvée pour un couple, en lien avec un bien immobilier, en lien avec le fait de vivre ensemble, hein, d'où une évolution dans la relation, hein. D'ailleurs, j'ai la carte de l'attirance aussi après au niveau sentimental. Voilà, donc ça peut être sentimentalement une évolution, une solution est trouvée, une période de chance s'ouvre à vous. Et puis, il y a une évolution de la vie sentimentale, de la relation ici. Il peut s'agir aussi d'un projet de cœur. C'est-à-dire que si on est dans le professionnel, surtout avec la carte de la promotion en dos de deck juste au-dessus ici, hein, on peut trouver ici des solutions par rapport à une profession, à un domaine professionnel. Du coup, la solution est trouvée et on va permettre une évolution au niveau de son travail. D'ailleurs, j'ai la promotion ici, hein. Donc, il se pourrait pour certains Sagittaires qu'on puisse bénéficier d'une promotion au niveau de son travail parce que finalement, une porte est en train de s'ouvrir et ça va vous permettre une évolution professionnelle. Alors oui, il peut s'agir d'une promotion dans le sens où vous êtes déjà dans une entreprise et puis vous allez évoluer au sein de votre entreprise. Mais il peut aussi s'agir d'une porte qui s'ouvre sur le domaine professionnel parce que vous étiez demandeur d'emploi et que du coup, on retrouve une certaine promotion, donc on retrouve un travail, hein. C'est une sorte de promotion puisqu'on passe du statut de demandeur d'emploi au statut ici de salarié. Si vous êtes en retraite, c'est exactement pareil. On va enfin pouvoir profiter de faire des choses que l'on aime, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour son couple si jamais on est deux aussi. En tout cas, une porte, la porte de la retraite aussi peut être une évolution, peut être une des portes qui peut s'ouvrir. La promotion, bah oui, c'est aussi un changement de statut ici. On passe de salarié à retraité. C'est tout à fait possible aussi pour vous, messieurs, mesdames, les retraités. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près ici. On me parle d'une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés de relations dignes de confiance. Exactement ça. Comme je vous disais, avec la carte de la clé ici, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Et quand je vous dis que vos besoins affectifs et matériels sont comblés, c'est exactement ce que signifie cette carte. En plus, avec la chance qui est symbolisée par l'éléphant juste en dessous, on est dedans. Ici, c'est des projets de cœur qui peuvent être sur le plan matériel au niveau professionnel, mais c'est aussi sur le plan affectif. On est dans l'amour ici, hein, tout simplement. Dans l'amour d'un projet, dans
l'amour d'une personne, d'une relation. Les relations humaines et les relations professionnelles sont tout à fait favorables. Et avec la carte de l'évolution ici, j'ai bien quand même des évolutions dans les relations ici et dans les statuts. Surtout que dessous là, ici, j'ai une réunion, donc il se peut que vous ayez un entretien d'embauche qui va aboutir à une évolution. Il se peut que vous ayez aussi un entretien tout simplement avec votre supérieur, d'où la promotion. Une réunion de famille, hein, l'amour aussi, c'est pas que le couple, hein, on se retrouve en famille, des réunions de famille qui permettent aussi d'évoluer au niveau des liens affectifs. Bon, c'est très très bon ça. Plutôt pas mal les énergies pour vous, les Sagittaires. Hein. J'allais dire célibataire, donc c'est que oui, si vous êtes célibataire, les énergies devraient être bonnes aussi pour vous. Allez, on y va. Bien, génial. J'avais l'éléphant tout à l'heure qui symbolisait la chance. Ici, j'ai le trèfle. Il y a des opportunités là, cette semaine, qui arrivent à vous. Et il y a surtout, comme elle est au centre, pour moi, c'est toujours la carte la plus importante ici. Donc, c'est l'énergie principale de votre semaine qui est symbolisée à chaque fois pour moi au centre d'un tirage comme ça quand je fais le tableau des 9 cartes. Et pour moi, on va être dans une énergie de chance cette semaine. C'est pour ça que les énergies, je les sens très bonnes. Allez, on va les voir un petit peu de plus près. Oui, alors il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui pourrait être un coup de chance, qui pourrait vous apporter une opportunité, mais en même temps, on vous dit aussi de vous faire confiance à vous-même. Hein. On me parle de maison ici, donc comme je disais tout à l'heure avec la clé, on va peut-être aussi me parler d'immobilier. Une chance, une opportunité pourrait s'ouvrir à vous ici en lien avec un bien immobilier. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. D'ailleurs, si c'est dans le cas d'un choix de logement, voilà, hein, écoutez votre partenaire, oui, il est de confiance ou elle est de confiance. Écoutez-vous aussi, faites-vous confiance. Donc, des solutions vont être trouvées en lien avec un bien immobilier. Ok, on va aller voir. Bon, j'ai la carte du temps, mais pour moi ici, c'est quelque chose de passé. Hein. J'ai la carte du consultant ou de la consultante, ce sont des énergies générales. Donc, on va parler de vous qui regardez cette vidéo ou de votre partenaire. Ou d'une personne, en tout cas, en qui vous tenez. Bon, j'ai bien un stress, mais qui est de l'ordre du passé, ici, dans les énergies. On a cherché une solution. C'est aussi ça, la loupe. Hein. Ici, on me parle d'un temps passé où on a cherché des solutions. On a cherché, en tout cas, à se sortir d'une situation stressante, visiblement aussi. Et on va y arriver ici parce que il y a un coup de chance, une opportunité qui arrive. Si vous... Ouais, j'ai des émotions aussi qui se... Ouais, j'ai des émotions qui se transforment en tout cas. Ici, on me parle aussi d'une personne de confiance qui pourrait vous apporter une opportunité afin de débloquer une situation. Alors, ça peut être un agent immobilier hein, par rapport à un bien immobilier. Ça peut être un notaire ou une notaire, voilà, un avocat ou une avocate. Tout ce qui peut être en lien avec des démarches pour un bien immobilier, si c'est une succession, si c'est une recherche de logement, etc. Il y a une tierce personne, en tout cas, ici, qui est même du domaine public pour certains, qui pourrait intervenir en votre faveur et vous aider à trouver la solution. Ça peut être une personne qui va vous aider aussi à trouver votre bien immobilier coup de cœur. Hein. Si vous êtes aussi à votre compte, les Sagittaires, si vous avez votre propre entreprise ici, on me dit que vous allez quitter une période un peu de stress, de continuer à faire confiance, à vous faire confiance et surtout ayez confiance en l'univers et en vos guides parce qu'ils vont vous apporter une certaine notoriété. Le bouche à oreille devrait commencer aussi à fonctionner et vous devriez un petit peu avoir de la chance au niveau professionnel. Bon, très très bien, très bonnes énergies, je suis contente pour vous, c'est très bien. Allez, ouais, la roue est en train de tourner, bon c'est où elle a tourné en tout cas, ici on va être favorisé. J'ai la carte de la consultante ou du consultant, ici on regarde vers l'avenir, et vers l'avenir qu'est-ce qu'on a? On a le miroir magnétique, donc ça veut dire ici que ce que vous souhaitez, vous allez l'attirer, et on va enfin se projeter dans l'avenir. En effet, ici, tout simplement, on me parle aussi de loi d'attraction. Si vous voulez que les choses changent de façon positive, utilisez le miroir magnétique, c'est-à-dire utilisez la loi d'attraction pour vous projeter dans l'avenir. Imaginez ce que vous voulez obtenir.
Faites comme si vous l'aviez déjà. Imaginez ce que vous ressentiriez si vous l'aviez déjà. Et en vous projetant comme ça, vous devriez l'attirer comme un miroir magnétique. En effet, j'ai une carte de lâcher prise. Oui, ici, si vous avez lâché prise, c'est pour ça que la roue est en train de tourner. Et si vous avez envie que la roue tourne, tout simplement, on vous dit de lâcher prise. L'équilibre revient ici. J'ai une période de transformation. Alors, je ne sais pas pourquoi, pour vous, c'est arrivé. J'ai pas fait gaffe. J'en ai 5 des cartes, donc c'est pas grave. En effet, il y a un choix qui est à faire ou qui va être fait assez rapidement d'ailleurs, en lien avec un voyage, en lien avec un déménagement pour certains. Et ce choix-là va vous apporter un équilibre, une transformation. Et ce choix, alors il a peut-être même été déjà fait ce choix-là. Et ce choix de départ, de transformation, de prise de distance envers une situation aussi, est en train de vous apporter un lâcher-prise ici, qui est très très important pour vos énergies et pour pouvoir avancer dans votre vie. Et on me parle d'un retour à l'équilibre ici et d'une transformation positive. Eh ben oui, parce que ici, on favorise avec une période de chance, après une instabilité, j'avais le stress tout à l'heure, on retrouve de la joie, petit à petit. Mais en tout cas, les projets de cœur et les histoires d'amour sont favorisés. Ici, il n'y a vraiment que de belles énergies, je les ressens et c'est un peu comme si mon cœur était tout léger d'un coup, pour vous. Et enfin, voilà, j'ai la tranquillité ici. Donc, il y a aussi des réunions de famille, comme je vous disais. Du coup, j'avais pas vu qu'il y avait la carte de l'hérédité. Et du coup, on me parle aussi de réunions de famille qui vont se passer de façon tranquille. Et puis, on retrouve une évolution au niveau de ces relations familiales, au niveau de ces relations tout court aussi, parce qu'il peut s'agir aussi du professionnel. Hein. Mais en tout cas, on va vers de meilleures énergies ici, les Sagittaires. On avance et sur le bon chemin, les amis. Allez, au niveau professionnel, je vous parlais de promotion, hein, d'où bah, la jalousie, je ne suis pas étonnée qu'elle tombe. Ici, la réussite de certains Sagittaires ou des Sagittaires pourrait attirer la jalousie. Eh bien oui, il y a des gens qui ne souhaitent pas visiblement que vous réussissiez. Ou alors, si vous avez une promotion et pas l'autre, eh bien oui, on est jaloux forcément. Il y a un défi ou un événement imprévu qui va arriver à vous ici, en lien pour certains avec un travail collectif. Ça peut être pour certains d'entre vous une promotion dans le sens où on va vous demander de gérer une équipe. C'était pas prévu. C'est un défi aussi pour vous parce que vous ne l'avez peut-être jamais fait. Et avec le travail collectif, voilà, j'ai la carte du collectif. D'ailleurs, certaines personnes pourraient être jalouses qu'on vous ait donné cette mission-là. Mais quelque part, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, si cela arrive, c'est pour un petit peu tester votre capacité à gérer. Et derrière, il pourrait y avoir une promotion d'ailleurs pour certains. On pourrait un petit peu vous donner plus de responsabilités au sein de votre travail, hein. Il y a en tout cas quelque chose derrière. Je sens qu'il y a quelque chose derrière cet événement et ce défi. Si vous le surmontez, à mon avis, il y a quelque chose de positif et de très bien derrière. Alors, on me parle d'attirance, d'intérêt, de fragilité, de sincérité. Ok. Ça parlera pas à tout le monde ici. On me parle de certains célibataires qui pourraient rencontrer ou être attirés par une personne en particulier. Mais attention à la sincérité véritable de cette personne. Elle est peut-être en train d'être attirée par vous que par intérêt et d'où le fait d'avoir la fragilité ici. Alors si vous, vous êtes déjà fragile, attention à cette personne, méfiez-vous. Et si c'est le cas d'une personne qui n'est pas vraiment sincère avec vous et qui n'est pas avec vous que par intérêt, qui est attirée par vous que par intérêt, attention, ce serait une relation très fragile. Il n'y a rien de solide entre guillemets ici. Hein. On me parle aussi d'un petit conseil pour ceux qui sont en couple. On me dit que c'est dans votre intérêt pour éviter de fragiliser votre couple, de faire preuve de sincérité envers l'autre, de ne pas hésiter à dire ce que vous avez sur le cœur, hein, de façon diplomate, on me dit, afin de maintenir cette attirance qu'il y a entre vous. Voilà. Une des énergies de transformation ici, c'est le changement d'alimentation. Certains Sagittaires devraient avoir besoin peut-être de faire attention à son alimentation. Ici, si le système digestif
et un petit peu malmenée, surtout à cause d'une période de stress qui est passée ou qui est en train de passer. Des fois, quand les choses s'améliorent et s'arrangent et que le stress retombe, le corps a besoin encore de se rééquilibrer puisque du coup, tous les nerfs tombent. Et le changement d'alimentation pourrait être un petit conseil que les guides vous donnent cette semaine afin de vous aider à passer cette étape au mieux. Et on me parle ici de changement corporel. Alors oui, certains, au niveau changement corporel, on a envie de changer l'alimentation. Ben alors là, on me parle de régime pour certains, hein, tout simplement. Alors, soit un régime pour perdre du poids, soit un régime pour faire attention à soi. Ça peut être aussi pour prendre du poids, hein. Certains, ça peut arriver qu'on ait besoin de prendre du poids. En tout cas, ici, on va me parler de changement corporel, mais ça peut passer aussi par le look. On a envie de changer de tête, on a envie d'aller chez le coiffeur, on a envie de se faire tout beau, toute belle. Voilà, les beaux jours arrivent, les énergies sont tout à fait propices au favorable, hein, pardon. Et puis du coup, comme ici, vous êtes dans des énergies aussi de transformation, on a peut-être aussi envie de suivre avec aussi le côté un peu corporel derrière. Voilà, quand on se sent bien, quand on se sent mieux, quand les énergies sont bonnes, eh bien on a envie davantage peut-être de prendre soin de soi. Et enfin, je termine avec la question qui se répond par oui ou par non, hein. Je vous laisse réfléchir à une question dont seule la réponse peut être oui ou non. Choisir la carte 1, 2 ou 3 ou 4 et mettre pause s'il vous faut beaucoup plus de temps. Et puis moi, je vous donne la réponse. Donc, choisissez votre question et j'y réponds tout de suite avec les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, la question est non. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la question est oui. Si vous avez choisi la carte numéro 3, la question est oui. Et si vous avez choisi la carte numéro 4, la réponse est non. Voilà. Je vous remercie les Sagittaires. Je vous souhaite une excellente semaine. Je n'en doute pas qu'elle va être bonne. Et puis, à très bientôt. Merci.